Alors, vous êtes ici dans le zoning des Plaines, sur la commune de Thymistère, et nous sommes dans les bâtiments de la tôlerie Délé. La tôlerie Délé, c'est une entreprise spécialisée dans le travail des métaux en feuilles, avec un très haut degré de technicité. On les découpe au laser, on les plie, on les ébavure, on les soude. Donc, d'une feuille à plat, on en fait un objet en 3D. Alors, la spécialité chez Délé, c'est que l'on ne fait que du sur-mesure. On n'a pas de produit standard, on ne vend pas une boîte aux lettres Délé ou une armoire Délé. Donc chaque jour, on reçoit plus ou moins une trentaine de commandes. Et toutes les pièces dans ces commandes sont des pièces sur mesure. Tout ce qu'on aime, c'est plus c'est complexe, mieux c'est. On ne va pas faire des grosses séries avec des gros tracadres annuels juste pour faire du volume et des marges très petites. Nous, c'est vraiment essayer d'avoir des trucs les plus complexes avec des marges respectables pour avoir un beau travail. Et puis même pour le personnel, c'est plus amusant que tout le temps faire la même chose. Si un client a besoin d'un produit type où la machine coûte 1 000 000, lui, en la faisant tourner un jour semaine, ce ne sera jamais rentable. Nous, on achète ce genre de machine et on va vendre les heures de la machine à plusieurs clients. Cela nous permet d'amortir cet investissement à plus d'1 000 000 d'euros, vu qu'on peut le répartir sur plusieurs clients différents. Nous, on est une entreprise familiale. Je vais dire familiale dans le sens où l'actionnariat est totalement familial, c'est mon frère et moi. Et on est très très fort axé sur les valeurs. Et les valeurs de société, donc c'est fort, c'est fierté, optimisme, respect. On les applique autant aux personnes que l'on engage chez nous, à notre personnel, qu'à nos clients. Donc par exemple, avec nos clients, ce qui nous intéresse, c'est du partenariat. Avoir des clients avec lesquels on ferait beaucoup d'argent, mais que c'est un one shot et qu'il n'y a pas de bonnes relations humaines, ça ne nous intéresse pas. Donc nous sommes dans une entreprise, un bâtiment de 10 000 m², soit 30 000 m². Nous réalisons un chiffre d'affaires de 7 millions plus ou moins pour 8 000 devis et 6 000 commandes annuelles. Et actuellement, nous avons 43 personnes qui travaillent au sein de la société.